Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. PPE, un sigle bien connu de ceux qui évoluent dans le monde de la finance, mais qui, pourtant, est rarement apprécié de ceux qui sont définis comme tels. Qu'est-ce qu'une personnalité politiquement exposée ? PPE, tel est le sujet sur lequel il me plaît de vous entretenir aujourd'hui. Une personne politiquement exposée est une personne physique qui occupe une charge publique importante. Il n'est pas obligé que cette fonction soit nécessairement politique. Il suffit qu'elle ait un pouvoir de décision significatif. Pour certaines institutions, il s'agit d'une personne qui a la possibilité d'exercer une influence publique importante ou qui a accès à des ressources financières publiques. Un groupe financier international définit même clairement les PPE comme toute personne ayant la capacité de détourner des fonds publics, tout un programme. Vous l'aurez noté, une personne politiquement exposée est considérée avant tout sur le plan international, comme exposé à des risques plus élevés de corruption et de blanchiment de capitaux. Les PPE sont à cet effet des personnes à haut risque qui font l'objet d'une obligation de vigilance renforcée de la part des institutions financières. Lors de leur relation avec cette catégorie de clients, la préoccupation majeure pour ces organismes financiers est ainsi de se prémunir contre les conséquences des risques de corruption, de favoritisme et de trafic d'influence pour lesquels les PPE sont des sujets particulièrement exposés. Qui est PPE? Même si des nuances peuvent exister d'un pays à un autre, on retrouve globalement dans cette catégorisation tous ceux qui exercent des fonctions exécutives, législatives, administratives et judiciaires, notamment les chefs d'État et de gouvernement, les membres du gouvernement, les ambassadeurs, les députés, les hauts responsables de l'armée et des forces de l'ordre, les magistrats. Mais y figurent aussi les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques et même des banques centrales, les hauts fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires internationaux. Bon à savoir, sont aussi considérés comme PPE les responsables et membres des organes de direction des partis politiques. Le périmètre couvert par cette catégorisation s'étend enfin aux membres directs des familles des PPE, leurs conjoints, leurs parents, leurs enfants, y compris les conjoints de ceux-ci, tout comme toutes les autres personnes connues pour leur être étroitement associées. Le terme PPE inclut de ce fait à la fois les groupes de personnes qui disposent d'un pouvoir politique formel et les groupes d'acteurs politiques informels mais disposant d'une certaine influence. Selon les cas, et ce, même lorsque la fonction officielle n'est plus exercée, la durée de la classification d'une personnalité en PPE peut varier d'un établissement bancaire à un autre. Alors, si vous êtes PPE, souffrez que des procédures, des formalités complémentaires et des demandes d'informations régulières vous soient appliquées ou adressées par votre banquier, parfois même 3 ans encore après votre départ de vos anciennes fonctions. Je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de revenir vous parler d'un autre sujet une autre fois sur l'Agora Nelena.